Bonjour à tous, c'est Dorian, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit circuit training spécial ventre plat, abdos en béton. Ok, donc aujourd'hui pas de HIIT, pas de cardio. On va faire 8 exercices enchaînés qu'on va décomposer ensemble. Et on fera encore une fois 3, 4 ou 5 tours selon vos envies. Mais bon, il va falloir faire quand même quelques tours pour avoir un petit peu les abdos qui brûlent. Ok, c'est parti, en tout cas je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça va encore être un cours super sympa ensemble. Votre tapis, votre serviette, une gourde. Je lance le chrono. Et c'est parti. Alors, pour l'exercice 1, on va venir travailler les lombaires principalement. Donc, vous mettez la tête bien sur le sol et on va venir faire le pont. On va lever le bassin. Vous voyez, ça doit être dans la continuité. On contracte bien les abdos, on serre les fesses. Voilà, et on va venir lever 20 fois le bassin. 1, 2, allez, tous ensemble. 3, 4, 5, 6. On contracte bien les abdos. Les fesses sont serrées quand on est là-haut. Hein. Allez. 14, 15, 16. Pour le premier tour, on ne cherche pas forcément à mettre trop d'amplitude. Et 20. Voilà. Exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2. Superman. On a tous besoin d'un super-héros dans notre vie. Aujourd'hui, c'est moi votre super-héros. Allez, on va se mettre sur le ventre. Voilà. Les mains devant. Et on va venir lever les pieds en même temps que les mains. Et on va faire ça 15 fois. D'accord? 2. La tête, on regarde bien le sol, d'accord? La colonne vertébrale dans la continuité de la nuque. Allez, on lève. Pour ceux qui ne peuvent pas lever les jambes, on lève que les bras. Et là, encore une fois, on va venir travailler nos lombaires. Les abdos sont bien collés sur le sol. Allez. Allez, encore deux. Et deux. Parfait. Exercice 3. On fera crunch inversé. On va venir se mettre sur le dos. La tête, encore une fois, bien posée. On va venir mettre nos mains sur les côtés. Et on va juste venir relever le bassin. Quand on redescend, on fait attention à bien dérouler le dos. D'accord? Et on en fait 20. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, allez, vous voyez, les bras servent à nous équilibrer, et c'est bien le bassin qui vient monter, 18, 19, et 20, parfait. Pour l'exercice 4, on va venir faire un gainage sur le côté, pour bien travailler les obliques. Donc le gainage, les deux pieds, l'un à côté de l'autre, comme ça. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez mettre les deux pieds l'un sur l'autre. Ok? Allez, on part ensemble. 45 secondes. C'est parti. Voilà. Donc pendant 45 secondes, deux pieds sur les côtés. On va bien venir contracter les abdos, serrer les fesses. On reste droit. On fait attention à ne pas ouvrir la hanche. Elle reste bien fermée. Allez. On souffle bien. Pour ceux qui veulent s'arrêter au bout de 30 secondes, vous arrêtez au bout de 30 secondes, c'est parfait. Pensez à bien relever votre bassin, d'accord? Pas vous affaisser, hein. Voilà, je préfère 30 secondes où vous restez bien haut, plutôt que si vous commencez à vous affaisser. Allez. Allez, encore 10 secondes. On inspire, on expire. Parfait. On redescend. Voilà. Exercice 5, on va venir travailler les obliques. Donc, je vais me mettre de face. Encore une fois, le dos bien collé au sol. Et on va venir toucher ses talons. D'accord? Et on en fait 20, ça fait 10 de chaque côté. Ok? On regarde bien au ciel. On fait attention à ne pas plier la tête. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Là, c'est pour travailler les obliques. Je peux vous dire qu'avec ça, vous allez avoir un ventre bien plat. On enchaîne. Gainage de l'autre côté. Côté gauche pour moi. Ok? On part encore une fois, 45 secondes, 30 secondes si vous voulez. Et c'est parti. Allez. Il y a un fil qui nous tire. Vous voyez, vous avez un fil au niveau de la hanche, du bassin. Tac, ça monte en haut. Allez. Allez, voilà, les deux pieds collés comme ça, c'est parfait. Encore 25 secondes. Premier tour sans option, on fait ça tous ensemble. On s'échauffe bien comme ça. Là, on sent que ça commence à brûler au niveau des obliques. L'enchaînement, il est parfait. Allez. Repos. Repos, repos. Sur l'exercice 7, on va venir faire du vélo. Voilà, c'est parfait. On se met bien sur les fesses. On lève légèrement les jambes. Tac, et on va venir pédaler en tournant. Vous voyez, genou gauche avec le bras droit. Et on inverse. D'accord? Et on en fait 20. Allez, c'est parti. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on continue. On fait attention à bien rester le bassin droit. D'accord? C'est le bus qui vient tourner. On contracte bien les abdos. Et 20. Dernier exercice du tour. On va venir faire le gainage ventral. Et oui, on l'a pas parfait. C'est parti encore. On fait 45 secondes. Sur les coudes, sur les genoux si vous voulez. Et c'est parti. Ceux qui sont sur les genoux, vous vous souvenez, on contracte bien les abdos, on inspire le nombril, les fesses sont serrées, et voilà, là on est bien. Si vous voulez vous mettre sur la pointe des pieds, vous pouvez, et on enchaîne. Allez. Pour le tour numéro 2, on pourra mettre des options si vous voulez. Mais là, je vous dis même sur les genoux, les pieds un petit peu relevés, là je peux vous dire que les abdos, ils travaillent. Allez, allez. Allez, encore 10 secondes. Repos. Allez, on prend 1 minute 30. 1 minute 30 de récupération. Buvez, respirez. Vous voyez, aujourd'hui, c'est pas cardio. Hein. C'est vraiment axé sur le centre du corps. À la fin, vous allez avoir des abdos tellement solides, bah, vous allez tout pouvoir casser dessus. Vous êtes content d'être là, bien sûr. Ouais, c'est génial. Merci, c'est cool. Ça me fait plaisir. Prenez le temps pour respirer. On fera comme ça. On a fait un tour. On en fait minimum 4. Ok. C'est parti. Allez, 20 relevés de bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On serre bien les fesses. Les abdos sont serrés. Vous devez sentir que ça brûle au niveau des fessiers quand même et des lombaires. Et 20. Parfait. On enchaîne. Allez, on prend moins de récup là. On enchaîne les exercices. Superman, 20 fois. Allez, on met bien les bras devant, on lève les jambes, on plaque bien les abdos au sol et c'est parti. On regarde le sol. Et 20. Parfait. Allez. Crunch inversé. Les lombaires plaqués au sol. On ne peut plus mettre les mains là. Ça doit toujours rester. Et on relève. On déroule bien le dos en descendant. 4, 5, 6. Allez, courage.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ouf, parfait. Gainage côté. Attention à ne pas glisser. Allez, c'est parti. 45 secondes. Go. N'hésitez pas à mettre un peu de musique chez vous si vous voulez, bien sûr. C'est top. Allez, le deuxième tour, on le fait encore tous ensemble. Simplement, voilà, les pieds. L'un côté de l'autre. Voilà, on a beaucoup plus du coup d'appui en mettant les deux pieds comme ça. Si vous voulez rajouter de la difficulté, vous mettez un pied au-dessus de l'autre. Mais vous pensez à rester bien contracté au niveau des abdos. Là, moi, je suis tout dur. Hein. Au niveau du dos, au niveau des abdos, c'est tout. Mais c'est ce qu'il faut. Allez, repos. Parfait. On enchaîne. Abdos, les obliques. Allez, on va venir taper les talons. Allez, c'est parti, 20 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On regarde le ciel. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parfait. Allez, gainage. De l'autre côté. Vous êtes prêts? 45 secondes. C'est parti. Go. Allez. Très bien. Ça doit être droit. Ok, faites attention à ne pas vous affaisser. Si vous vous mettez comme ça, c'est pas bon. Allez, 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 allez. On a le smile, on est content d'être là. Courage. Repos. Allez, on enchaîne. Le petit vélo qui cycliste. On se met là, pour ceux qui ne veulent pas mettre sur les côtés, vous pouvez faire en rameur si vous voulez, d'accord? Vous lancez les deux jambes et vous ramenez, si c'est plus simple pour vous. Sinon, on travaille les obliques sur le côté, c'est parti 20 fois, allez! Il y a de la coordination là. C'est parti. Go. Allez. Le centre neutre, d'accord? Le dos bien droit. Là, vous pouvez enlever la table basse, encore une fois. Vous pouvez manger dessus. Invitez vos enfants à manger dessus. Vous êtes droit, ça bouge pas, c'est parfait. Allez. Allez, 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 courage. Si ça devient compliqué, mettez-vous sur les genoux. Aucun problème. Ça le fait aussi, ça travaille tout pareil. Allez, allez, allez. Hop, repos. Allez, buvez. Fin du deuxième tour, c'est parfait ça. Ça donne chaud quand même, hein, ça réchauffe. Hein. Sur le troisième tour, je vais mettre des petites options. Pour ceux qui veulent, qui trouvent ça un petit peu trop facile, aucun problème. On va mettre un petit peu d'options. Pour augmenter en difficulté. Si vous restez sur ces exercices-là, il n'y a aucun problème, ça travaille très très bien. Ok, on va partir tranquillement. Sur les montées de bassin, ceux qui veulent, vous alternez pendant 20... Sur les 20 levées de bassin, vous alternez jambe gauche et jambe droite. On lève la jambe gauche, on descend, jambe droite, 20 fois, allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Parfait.
On enchaîne. Superman. Eh ouais, allez, c'est parti. Tac. 20 Superman. 1, 2, 3. Le ventre serré, les abdos sont sur le sol. On regarde notre serviette. On se fait pas mal au cou. Si vous voulez, jambes vraiment et les bras tendus, loin devant. Allez. J'ai pas compté. C'est super. Et 20. 20, c'est ça. Oui, c'est ça. Parfait. Abdos crunch. Allez, on enchaîne. 20 abdos. Tac. On met les bras. On colle bien la tête au sol et c'est parti. Cherchez pas à aller trop vite. Vite. 9. 10. Allez, on est dans le troisième tour. Et 20. Parfait. On enchaîne. Gainage côté gauche. Allez. Dans le chrono. C'est parti. 45 secondes. Encore une fois, le gainage côté gauche. Soit les deux pieds. Voilà, je vais mettre comme ça. Soit les deux pieds sont côte à côte. Soit les pieds sont collés. Si vous êtes facile, alors vous pouvez faire des petits battements avec le pied du haut. Mais surtout, ce que je veux voir tout le temps, c'est, voilà, bien droit, le bassin tiré vers le haut. Ok? Allez. Encore 15 secondes. Allez. Je vais faire au feeling parce que mon écran s'est éteint. Je vous le dis. Donc c'est parfait. Ça va, j'ai la montre. Toujours, toujours avoir sa montre. 45 secondes. Allez. Parfait. 20 obliques. On vient toucher les talons. Allez. 3, 4, 5. Pour ceux qui sont faciles, on va chercher la pointe de pied si vous voulez. Et là, on va aller chercher plus loin. Les épaules sont relevées. Boum. Allez. Et 20. Parfait. On enchaîne. Gainage latéral. Top. Allez, allez. Allez, allez. Si vous voulez faire des élévations, vous pouvez, mais il faut rester bien solide. Allez, courage. Encore 15 secondes. Pouah, le ventre que vous allez avoir après ça. Vous allez être tellement solide. C'est super. Allez, 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 allez. On est dans le troisième tour. Tout va bien. Top. Parfait. Le petit vélo. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 20. Parfait. Gainage. Sur les coudes, attention, c'est parti. Alors encore une fois, une minute de gainage. Si vous êtes trop facile et que ça ne vous suffit pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez monter sur les bras. 1, 2, on redescend. 1, 2, on remonte. Gainage militaire, vous voyez, là je suis en planche. En planche, mon bassin, il ne bouge pas quand il descend. Tac, 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 tac. Allez, on enchaîne, on en fait quelques-uns. C'est parfait. Boum, boum. Quand je monte, mes poignets sont sous les épaules. Je suis droit, ça bouge pas. Allez, on peut rester en position gainage, c'est parfait. Encore une fois, si vous êtes sur les genoux, c'est parfait. On contracte bien les abdos. Là, mes abdos sont autant contractés presque que quand je suis sur la pointe des pieds. Donc c'est parfait. Allez, allez, allez. Top. Ouh. On respire. Fin du troisième tour. Allez, c'est parfait. On part encore sur deux tours, ok? Là, on commence à bien choper, on commence à bien sentir notre ventre,
bien sentir nos obliques sur les côtés, bien sentir les lombaires, voilà. Aujourd'hui, on travaille vraiment le centre du corps et c'est super important. C'est vraiment très très important. Et là, vous êtes content d'être là. Moi, je transpire un petit peu, donc j'espère que vous aussi. On n'oublie pas de boire. Et on va partir sur le quatrième tour. Boum. Allez. Vous êtes prêts? Boum. Tac. Attention, on va lever 20 fois. Jambe gauche, jambe droite pour ceux qui veulent. Attention. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une ficelle hein, qui nous tire vers le haut. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Parfait. Allez, on y va, vous êtes prêts? Superman. Vous avez le droit de chanter chez vous aussi, hein. Superman. On a le droit, aujourd'hui, on est des super-héros. Voilà. C'est parti. Je fais Superman avec des deux bras. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous pouvez faire que les bras, vous faites que les bras. 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boum! Abdo crunch! Pour ceux qui veulent abdo crunch, faites jambes tendues. On appelle ça une chandelle. Clac! Et on déroule. 1, 2, 3. Voilà, là c'est la difficulté d'au-dessus. Huit, neuf, allez pour 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait, on enchaîne. Gainage côté gauche. Allez, c'est parti. On souffle bien, on respire, on enchaîne les exercices. On monte un peu en intensité. Allez, les fesses sont contractées. Vous pouvez toucher pour voir. Oui, oui, c'est bien contracté là, c'est solide. Allez. On pense à bien respirer. Voilà, quand on met les deux pieds l'un à côté de l'autre, c'est quand même plus facile. On est beaucoup plus stable et du coup, c'est parfait. Allez. Ceux qui veulent, je vous rappelle les élévations. Tac. Pas besoin de monter très haut. Mais là, vous allez sentir que ça bouge tout de suite beaucoup plus. Hop, repos. Tape talon, les obliques. Je le fais en face avec vous. Allez, c'est parti. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on regarde le ciel. On se fait pas mal à la nuque. Et 20, parfait, on change de côté. Top, c'est parti pour le gainage. Je sais pas vous, mais moi le fil qui me tire vers le ciel là, franchement, il m'aide vraiment. Vous avez vu comment il tire? Il tient tout seul, c'est nickel. Parce que si on lâche, on s'affaisse. Non, il nous tire. Allez, on regarde bien en face. Les abdos sont serrés, c'est parfait. Allez. Vous pouvez alterner. Élévation. Repos. Pas de pied. Top. Bien. Petit vélo. Allez. C'est parti pour 20. On va changer. C'est quoi? On va tous faire le rameur. Tous ensemble. 20 rameurs. Ok? On lance les deux jambes, on ramène. Boum. Le menton est décollé. On regarde bien devant nous. Contracte bien la ceinture abdominale et c'est parti. Avec le sourire, s'il vous plaît. Allez.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parfait. Gainage. Allez, dernier exercice du quatrième tour. Top. Allez, je vous rappelle, vous êtes bien sur les coudes. Les coudes tracent une ligne. Votre tête et votre regard est entre la ligne de vos coudes et vos mains. Et c'est parfait. Vous voulez monter sur les mains. Tac, tac. Vous voyez, le corps ne bouge pas. La tête ne bouge pas. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Allez. Quoi? On enchaîne. Allez, gainage militaire. Allez. Repos. Top. Fin du quatrième tour. On part tous ensemble sur le cinquième tour. Allez, allez, courage. Allez. On voit un coup. Dernier tour. Dernier tour, ça va aller super vite. Ok, en position tous. Allez. Allez, vous êtes prêts? 20. Montée de basse, hein, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 et 20. Parfait. Allez, on se retourne. Superman. Allez. 20 Superman. C'est parti. Les bras bien tendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Top. On enchaîne. Crunch inversé. Allez. On se motive, c'est le dernier tour. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Chacun son allure. Prenez votre temps pour bien faire l'exercice. Hein. On déroule bien le bassin. Et quand on monte, clac, on sent que c'est le bassin qui vient impulser. Allez. Allez, 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 encore 3. Et 3. Parfait. Top. On enchaîne. Le gainage. Hop, c'est parti. Allez. On s'ambiance avec la musique. On lance tout. C'est parti. Allez, allez. Je vais même remonter le genou si vous voulez. Il y a plein d'options à faire. D'accord? Allez, 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 allez. Allez, courage, on tient le coup. C'est le dernier tour. Allez, c'est parti. On vient toucher les talons. 20 fois. Allez, go. 2, 3, 4, 5. Allez, on va chercher plus loin. Et 20. C'est parfait. On enchaîne. Gainage. Côté droit. Hop. Allez, 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 allez. C'est le dernier tour. C'est la fin, courage. Allez, 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 allez. Allez. Give les jambes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez.
Encore 20 secondes. Allez, 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 on serre bien les abdos. Allez, 10 secondes. Un, hop. Allez, on vient faire le rondeur. On se met en face. Tac. Sur les fesses. Boum. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on finit par une minute de gainage sur le ventre. Courage à tous, c'est parti. C'est la dernière minute de travail. On finit par le gainage pour avoir un ventre plat et des abdos serrés. Allez, on prend le temps de bien respirer. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Allez, allez, c'est top. Courage. Allez, 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 allez. Encore 20 secondes. Allez, militaire. Tac. Allez, on change de côté. Gauche. Gauche. Droite. Droite. Allez, on reste 5 secondes. Courage à tous. Allez, 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 allez. Un. Terminé. Wouh. Ah. Ouh. Super. Buvez un peu. Génial. Allez, bravo à tous, on s'applaudit. Applaudissez, applaudissez. Non, je sais que vous applaudissez pas. Allez, allez, vraiment bien joué. On s'est encore très très bien dépensé aujourd'hui. On va rester au sol pour s'étirer un petit peu. On respire bien. Donc aujourd'hui, c'était un cours vraiment ciblé sur les abdos, les lombaires. Voilà, le gainage. Tirer le dos, on va venir se mettre sur les genoux. Voilà. Et on va aller chercher les bras loin devant. Allez, on s'assoit sur les talons. On inspire. Quand on inspire, on va chercher bien loin. Allez, allez, on a bien travaillé les lombaires. Allez, encore une fois. On inspire, on va chercher loin devant. On expire. Voilà. On va mettre les bras le long du corps. Et voilà, on va se détendre un petit peu. On va passer sur le dos. Allez. On va venir étirer nos lombaires. On va prendre nos deux genoux comme ça. Et on va rouler un petit peu. Un peu sur le côté gauche, un peu sur le côté droit. Vous pouvez sentir vos lombaires qui sont bien au sol. Voilà. Voilà. Prenez le temps de vous relever s'il faut. On se met bien sur le côté pour se relever. On s'aide des mains. En tout cas, félicitations encore une fois à tous, vous avez super bien travaillé aujourd'hui. Continuez de vous étirer si vous le voulez, d'accord? Prenez le temps de revenir à vous-même, mais vraiment félicitations à vous, on se retrouve très vite. Merci d'être si nombreux à me suivre chaque semaine. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir très vite. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao !